Eh bien bonjour à tous, c'est Ital, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur des informations de Fortnite, comme tous les jours. Et aujourd'hui, on va plutôt parler des défis ultimes et forts, parce que ça fait depuis longtemps que je n'en ai pas parlé sur ma chaîne. En même temps, Fortnite ont reculé plusieurs semaines la saison, et du coup, est-ce que oui ou non, Epic Games vont sortir les défis ultimes et forts, parce qu'ils ont décalé la saison. Je vais vous dire ça dans cette vidéo, et également, je vais vous dire la date de sortie des défis, s'il y en a. Bref, juste avant de débuter la vidéo, je remercie également les dernières personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Un grand merci à vous, je les mets à l'écran, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour passer. Et n'hésitez pas à activer la cloche, ça me ferait super plaisir. Pour ceux qui veulent gagner un pass de combat de la saison 3, pour y participer, vous vous abonnez, vous likez et vous disiez dans les commentaires pourquoi vous voulez le pass de combat. En plus, vous mettez votre pseudo épique pour que je sache c'est quoi votre compte et je ferai le tirage au sort 4 jours avant la sortie. Si vous voulez avoir une participation en plus, vous pouvez me rejoindre sur Discord. Le lien sera dans la description et dans les commentaires de la vidéo. Également, n'hésitez pas à liker si on pouvait faire les 50 likes, ça me ferait super plaisir. Bref, assez parlé, on va débuter le thème de la vidéo. Alors, est-ce que Epic Games vont mettre les défis ultimes et forts avant la nouvelle saison? Eh bien, on ne sait pas vraiment, peut-être pas. Fortnite, on dit qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes avec le coronavirus, ça tout le monde le sait. Après, ils ont encore reculé d'une semaine parce qu'il y a eu aussi un problème et tout le monde a reculé les événements. Et du coup, Fortnite se demande s'ils vont mettre les défis ultimes et forts. Alors du coup, Fortnite vont peut-être pas mettre les défis ultimes et forts. Ne vous attendez pas à avoir des défis ultimes et forts. Peut-être qu'il y en aura ou peut-être pas, mais du coup à cette saison peut-être qu'il n'y aura pas de défi ultime effort parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. S'il y en a, comme d'habitude, ça sera lundi à 20h après l'événement. Vous aurez 4 jours pour les faire parce que l'événement a été décalé, c'est plus le samedi à 20h, je croyais que c'était encore le samedi à 20h, mais puisqu'ils ont décalé d'une semaine, ça finit pas le samedi à 20h, ça fait le lundi à 20h l'événement. Puis après, s'il y a des défis ultime effort, vous avez 4 jours pour les faire et après ces 4 jours, il y a la nouvelle saison. Voilà tout ce qu'on sait sur les défis ultimes forts. Après, on ne sait pas qu'est-ce que ça sera puisque Fortnite ne vont peut-être pas les sortir. En tout cas, ça serait pas mal qu'ils les sortiraient parce qu'on pourrait avoir des petites récompenses gratuites. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont nous donner, mais s'ils sortent, ça serait quand même bien. La vidéo est déjà finie. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. Je remercie également les dernières personnes qui sont abonnées, comme je l'ai dit au début de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez passer à l'écran et à liker, ça me ferait super plaisir. Et le concours dans la description si vous voulez y participer. Je dis un grand merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle information sur Fortnite. Portez-vous bien. Ciao.